Un nouveau jour se lève sur Terra Ventura. Le petit monde des Poys ne semble jamais avoir été aussi calme. Ces derniers, fédérés autour de 9 étendards emblématiques du patrimoine et des savoir-faire ancestraux du Limousin, œuvrent de concert pour faire prospérer leur communauté. Entente et sérénité régnaient sur le territoire, jusqu'à la soudaine arrivée de 3 mystérieux seigneurs. Se proclamant élus des sages pour protéger Terra Ventura de dangereux individus surnommés les Bad Poys, ils ne tardèrent pas à se partager le territoire. Ils invitèrent dès lors les Poys à rassembler leurs richesses afin, selon eux, de mieux les protéger. Le fragile équilibre de Terra Ventura s'en trouva menacé et le quotidien de ses habitants s'assombrit peu à peu. Mais que s'est-il passé dans Terra Ventura ? Le petit monde des Poys, tel que nous le connaissions, semble s'être métamorphosé. Quels sont donc ces étendards sous lesquels œuvraient nos amis les Poys jusqu'à la soudaine arrivée des 3 seigneurs ? Qui sont ces 3 mystérieux personnages ? Allez regarder de plus près. Ils ne vous rappellent rien ? Oui, les Bad Poys. Ces derniers ont finalement mis la main sur la pierre des sages et l'ont activée à l'aide d'une mystérieuse clé. Dans quel but ? Retourner dans le passé afin de prendre le contrôle de Terra Ventura et de semer le chaos dans le monde des Poys. Êtes-vous prêt à poursuivre l'aventure ? Terra Ventura, saison 4, les origines. Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr ou sur votre mobile depuis l'application officielle Terra Ventura.